La mobilité a toujours fait partie de l'histoire marocaine, mais l'émigration marocaine actuelle, par sa propension et son impact socio-économique, est d'une signification sans précédent. On estime aujourd'hui à plus de 5 millions de Marocains résidant à l'étranger. Ce chiffre représente toute personne d'origine marocaine vivant à l'étranger, englobant ainsi la première génération d'immigrés et toute sa descendance. Plus des 4/5 des Marocains du monde vivent en Europe, principalement en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. En France, les Marocains constituent la deuxième plus grande communauté d'immigrants derrière les Algériens, avec 1 350 000 immigrés marocains sur le territoire français. Si l'émigration marocaine vers l'étranger a pris son véritable essor juste après l'indépendance du pays en 1956, celle-ci a connu au cours du temps des évolutions significatives, du fait de contextes particuliers. L'exploration de nouvelles terres d'immigration en est une. Les différences de nature et d'ampleur de la migration marocaine font d'elle l'une des plus intéressantes et des plus variées de la seconde moitié du XXe siècle. Elle a eu des répercussions conséquentes tant sur le Maroc que sur les pays d'accueil. Revenons maintenant sur l'histoire de cette aventure marocaine à travers le monde. Le profil de l'émigration marocaine a connu de grandes évolutions avec le temps, liées au contexte politique, économique, social et même géographique. Nous commençons par l'émigration économique de masse qui a démarré dès la Première Guerre mondiale pour répondre aux besoins de main-d'œuvre non qualifiée. S'est ensuivie l'émigration familiale à partir de 1975, puis l'émigration politique et enfin la fuite des cerveaux. Nous passerons en revue également l'émigration des Juifs marocains et aborderons l'exploration de nouvelles terres d'accueil qui s'ajouteront aux pays traditionnels de l'Europe de l'Ouest. Chaque catégorie de cette émigration se caractérise par un niveau de formation et de mobilité différent. Alors que le Maroc était plus un pays d'immigration que d'émigration pendant des siècles, l'émigration marocaine à l'étranger n'a démarré qu'en 1830, soit au début de la colonisation française de l'Algérie. Les exploitants agricoles français faisant appel à la main-d'œuvre saisonnière du Rif marocain. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et alors que le Maroc était sous protectorat français dès 1912, l'industrie et l'armée française manquaient d'hommes et puisaient leurs besoins dans les pays du Maghreb et de l'Afrique occidentale. C'est ainsi qu'entre 1914 et 1918, plus de 35 000 Marocains sont accueillis en France en tant que main-d'œuvre et 40 000 autres en tant que soldats de l'armée française. La majorité de ces travailleurs et des soldats qui ont survécu sont rentrés chez eux au Maroc à la fin de la guerre. Face aux besoins induits par la croissance économique des années 1920 en France, l'immigration est relancée. On dénombre quelques 20 000 Marocains travaillant en France lors de la crise mondiale de 1929. Du côté du protectorat espagnol, après la fin de la révolte du Rif sous les ordres de Abd Kremr Tabi, l'armée espagnole a fait appel à 40 000 soldats marocains de cette région du Nord afin de prendre part à la guerre civile espagnole de 1936 à 1939 sous le commandement du général Franco. Lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs dizaines de milliers de soldats marocains sont enrôlés pour combattre dans les rangs de la France libre menée par le général de Gaulle. L'Europe leur doit beaucoup pour sa libération. Jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956, le nombre de travailleurs marocains à l'étranger ralentit et tourne autour de 20 000 personnes, essentiellement dans les mines et la sidérurgie. L'histoire retient deux événements majeurs qui ont fortement impacté l'émigration marocaine. Le premier étant la proclamation de l'État d'Israël en 1948, qui déclenche le premier exode massif de Marocains juifs de conditions modestes vers Israël principalement, après 2000 ans d'histoire au Maroc. Quant à la minorité aisée et instruite, elle prend la route vers la France et le Canada. Suite au décès du sultan Mohammed V, considéré comme protecteur par la communauté juive marocaine pour son attitude face au régime de Vichy, une deuxième vague d'émigration s'opère. Pas moins de 65 000 Marocains juifs quittent le Maroc dans le cadre de l'opération Yachin entre 1961 et 1964. Après la guerre des Six Jours en 1967, 25 000 autres rejoignent Israël, la France, le Canada, l'Espagne, les États-Unis ou le Brésil. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 000 au Maroc contre 280 000 à l'indépendance du pays.
Le deuxième événement qui marquera un tournant dans les flux migratoires marocains sera la guerre d'indépendance de l'Algérie de 1954 à 1962. Celle-ci amène les usines françaises et les chantiers de construction à substituer la main-d'œuvre algérienne par les travailleurs marocains. Dans les années 1980, une autre catégorie d'immigrés marocains se développe en France et aux Pays-Bas principalement. Il s'agit des étudiants marocains et opposants au régime qui ont fui l'état d'urgence décrété au Maroc. Ils constituent, en Europe, des associations de défense des travailleurs marocains et des droits de l'homme au Maroc. La crise induite par le choc pétrolier de 1973 a mis à mal les économies européennes et ont amené les pays à durcir les conditions d'immigration ou à totalement l'arrêter. Face au chômage et au durcissement des conditions de travail, la diaspora était tiraillée entre l'envie de retourner parmi les siens avec la menace de ne plus pouvoir revenir ou alors à opter pour le regroupement familial. La majorité a choisi cette deuxième option, laquelle a débouché sur une émigration massive et une installation permanente en Europe. Ces familles en construction s'installent généralement dans des quartiers pauvres qui sont abandonnés par leurs habitants d'origine. Face à cette situation difficile qui caractérise les pays d'accueil traditionnels des travailleurs marocains, d'autres destinations commencent à attirer l'attention des candidats marocains à l'émigration dans les années 1980, comme l'Italie et l'Espagne qui offraient de nouveaux marchés. Dans les années 1990, suite à la mise en œuvre du traité de Schengen de l'Union européenne qui vise à assécher l'immigration clandestine, plusieurs pays du Golfe et d'Amérique du Nord ont ouvert leurs portes aux travailleurs marocains. Un autre point important est à souligner. L'avènement du règne de Mohamed VI a considérablement changé la donne au regard de la diaspora marocaine. Elle n'est plus vue uniquement comme un seul réservoir de rentrée de devises pour le royaume, mais surtout comme une communauté présentant un potentiel de contribution dans la modernisation et le développement socio-économique du Maroc. D'un autre côté, les répercussions des attentats du 11 septembre 2001 ont fondamentalement impacté l'immigration marocaine, de même que les attaques terroristes qui ont été commises en Europe ces dernières années. Au-delà de l'identité marocaine des immigrés, la dimension religieuse a commencé à occuper une place prépondérante dans leurs interactions avec les acteurs des pays d'accueil. Le débat politique, les médias, l'opinion publique sont alors fortement orientés vers les questions de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Les politiques publiques au regard de l'immigration se durcissent et s'orientent de plus en plus vers une immigration qualitative, répondant aux besoins et aux évolutions des sociétés actuelles. Une exception à souligner en France, c'est le maintien du contingent d'étudiants marocains qui tourne annuellement autour de 40 000 jeunes marocains dans les universités et les grandes écoles françaises. Quant aux États-Unis, le Canada et les pays du Golfe, ils continuent d'enregistrer une hausse constante de Marocains qui s'y installent. Il s'agit de plus en plus de jeunes diplômés disposant de compétences techniques et professionnelles élevées, ce qui facilite leur intégration rapide dans ces sociétés. L'émigration marocaine est devenue un phénomène considérable avec 5 millions d'individus dispersés à travers le monde et représentant 12% de la population marocaine. L'émigration marocaine est devenue un phénomène considérable avec 5 millions d'individus dispersés sur plusieurs pays et continents, représentant aujourd'hui environ 12% de la population marocaine. La diaspora marocaine contribue significativement dans le développement socio-économique du royaume, avec un niveau de transfert annuel de l'ordre de 6,5 milliards d'euros, soit l'équivalent de 7% du PIB du pays. Il se classe ainsi au troisième rang des pays de la région MENA en termes de transfert d'argent. Ceci traduit l'attachement au pays d'origine et le niveau élevé de loyauté des immigrés aux membres de leur famille, et ce, pour les différentes générations des MRE. Le maintien de ces transferts de fonds, l'investissement dans l'achat de biens immobiliers, les visites régulières en tant que touristes, notamment de la deuxième et troisième génération, dopent la machine économique. Par ailleurs, cette diaspora contribue au renforcement des relations entre le royaume et les pays d'accueil et peuvent être considérés comme de réels ambassadeurs du Maroc à travers le monde.